Alors. Ah, j'ai ajouté du dramatique. Chagrin sacré, donc c'est ça le nouveau mode. Hop, allez. On refait continuer. Et on y retourne. Hop. Alors, cette fois-ci, il va falloir faire moult choses pour débloquer cette fin. Cette fin alternative. Déjà, il me semble qu'il faut... Alors, je sais pas s'il y a un ordre ou pas à faire. Mais déjà, toutes les statues qui te servent à faire pénitence, il faut que tu les pètes, de ce que j'ai vu. Donc, toutes les statues, ça, là. Non, c'est mea culpa, ça? Je sais plus. Ouais, tous les trucs comme ça, faut les casser. Je sais pas s'il y a un ordre. J'ai pas compris comment, mais j'ai lu qu'il fallait un truc. Avant. Qu'il fallait faire un truc avant. Bah attends, je vais me... Hop, on va aller se renseigner. Voilà. Pas compris comment je cassais les statues, je disais. Bah, en tapant dessus, j'avais déjà vu qu'on pouvait taper dessus, mais j'avais pas osé justement. Bah, continue à taper dessus ou que parce que je ne savais pas les conséquences que ça pouvait avoir. Non, pas ça. Alors, en français tu trouves pas, donc on va chercher en anglais. Ah, voilà. Donc... C'est la B que j'ai eue? Attends. Ah, attends, je les ai. Je l'ai là. Donc... Ah, il y avait une bad ending aussi que je n'ai pas eu. C'est si je faisais le jeu mais en n'ayant pas terminé tous les donjons. Donc, mais ça, c'est encore une autre fin. Alors, de ce que j'ai cru voir, ouais. Alors, donc, trouver la perle immaculée dans le cimetière des Pics. Équipez-le et mourrez 3 fois pour le transformer en chapelet. La perle immaculée, ça, je dois déjà l'avoir. Perle creuse, est-ce que c'est ça? Ah oui, parce que, attends, c'est les noms en anglais. Mais du coup, comment ça a été traduit chez nous? Perle immaculée, elle est là. Donc mourez 3 fois tout pour la transformer.
On va déjà faire ça. Mourir, ça va. Non. Dans le jeu, mourir, c'est facile. Ça va. Donc, on va décéder. Je vais décéder juste là, d'ailleurs. Comme ça, j'ai le point de sauvegarde. Ah, point de sauvegarde là. Et le décès. C'est vrai que c'est un item que j'ai jamais utilisé, ça, la perle immaculée. Le décès, la vanille. Ça pourrit mes stats, ça. Hein. Je suis pas mort autant de fois. Hein. Elle est où? Donc elle a disparu. Non, elle s'est transformée en... Elle est où? Ah oui, elle est là. Poids de la véritable culpabilité. 3 de plus sur 7654. Alors, je suis pas mort autant de fois, en vrai. Je suis pas mort tant de fois, hein. Je sais pas, il n'y a pas de compteur, mais je pense pas être mort tant de fois. Une perle entièrement souillée qui a absorbé les péchés de son porteur jusqu'à s'en emplir. Contient une tempête de culpabilité et gronde des échos d'horreur passées. Les statues des confesseurs portaient autrefois de telles perles pour recueillir la culpabilité des paroissiens repentants. Donc, trouver et détruisez toutes les statues des confesseurs et terminer les donjons des confesseurs. Nécessite d'être équipé du poids. Voilà, donc ça. Donc voilà, pour. Donc c'est ça. Pour péter les statues, il me faut ça. Donc les confesseurs, je crois que c'est. Attends, c'est ça ou c'est cette icône-là? Je sais plus. Attends, je me souviens, si je vais là... Non, ça, c'est les mea culpa. Donc, les confesseurs, c'est cette truc-là. Donc là, est-ce que j'en ai un dans le coin, là? J'en ai un tout à gauche. Allons tout à gauche. Tu l'as faite, toi, cette fin-là, Gink? J'avais oublié. J'avais oublié qu'il y avait des pics ici. Coup dur. Non, tu l'as pas faite. Ouais. Hop. Pourquoi il a pas pu aller Tiens. Cadeau. Ah oui, il y a eux là. Alors, tac. Toi, t'as juste fait la fin normale, du coup? Hmm.
Alors par contre, de ce que j'ai aperçu pour avoir la fin DLC là, c'est des ambiances et honnêtement, je vois pas trop comment la faire sans passer par du New Game Plus. La faire en premier run, je sais pas comment tu peux l'avoir en vrai. Hein. Parce que si je me trompe pas, de ce que j'ai vu, attention spoil. Donc hein, ceux qui veulent pas entendre, fermez vos oreilles. Mais du coup, avant le combat, donc en fait tous les prérequis pour avoir cette fin DLC se passent avant le combat contre Esdras, je crois que c'est ça, donc qu'on rencontre ici au pont du Calvaire. Il faut faire tout un tas de prérequis avant de faire ce combat-là. Et notamment dans les prérequis, c'est de battre le boss, le fameux boss de l'ossuaire. Donc oui, alors en y réfléchissant, c'est obligé que... Je pense que c'est obligé, c'est en New Game Plus, parce que tu ne peux pas avoir assez d'os pour débloquer le boss avant. Enfin, c'est ce que j'ai cru lire. Du coup, c'est peut-être faux. Alors, donc, apparemment, je peux casser ça. Ah oui. C'est cassé. Oh. Ah d'accord. Ah d'accord, il y a des ennemis. Je pensais pas. Alors attends, je vais mettre ça. En vrai, après c'est de taper des boss et tout ça. Faire, on va dire, des petits... pas boss rush, mais bon, des petites arènes de monstres comme ça, easy quoi. Mais oui, le fond est joli. Ah, le retour de lui. Nickel. Du pognon. Ouais, bah ouais, clairement, easy. Une jeune pousse. C'est quoi la jeune pousse? Un petit cadeau de Deo Gracias cloué à l'effigie du sinueux. Sous la garde de votre épée. Les épines levées du miracle se nourrissent du péché et de la culpabilité.
et pousse de conserve avec le fardeau qui pèse sur son porteur. Ok. Donc ça disparaît de... Oui, ça disparaît de la carte. Donc, j'en ai d'autres là. On va descendre. Je tombe au sommeil, je vais me préparer pour dormir. Ça marche, eh bien écoute... bonne nuit Romatis. Merci encore une fois de ta présence. Et puis bah, à vendredi du coup. Alors, si tu es toujours là, Gink, on est dit que tu es peut-être d'après-midi cette semaine. Ah. C'est cool, du coup tu peux un peu plus pour dire profiter des soirées. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai jamais travaillé, on va dire, avec ces horaires, mais du coup j'ai eu pas mal d'amis, qui ont bossé dans ces horaires-là. Et bon, ça a des avantages aussi, mais des inconvénients. Parce que c'est vrai que l'avantage, ce qui est sympa, c'est que quand tu es justement de matin, certes tu te lèves tôt. Mais ça veut dire que tu finis tôt et donc tu as aussi toute ta journée pour toi. Par contre, il faut accepter de se lever tôt. Hop. Oh là là, Mickaël. Oh là 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 là. Ah oh, et bah oui, je suis tellement loin du coup. Mais bon, je suis à côté d'un TP. On va dire c'est un... c'est un tech damage to save time. Ça le ferait si c'était... plus qu'une semaine, car ton métabolisme change tout le temps. Ah, c'est que là, c'est, oui, c'est vraiment une semaine sur l'autre. Je crois que c'était là. Ouais, si je pourrais prendre ce TP-là aux bibliothèques des Moniers. Faut que je passe par au-dessus. De toute façon, j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix. Complètement le choix. Je reste à cette mission et après, je fais les 2-8. Ah, du coup, les 2-8, rappelle-moi, c'est quoi déjà ? Non ! Ah, et après, fini les 2-8. D'accord, pardon, j'ai mal lu. Oh là là, mais... Quel enfer. 8h du matin, puis 8h du soir. Ah oui, ok. Oh, merci le toit. C'est
c'est pas toujours 8 heures. J'aurais pu ne pas le prendre au pire ce TP là. Ah pardon, c'est vrai. T'es copain toi. Ok. Donc c'est au-dessus. Il y a encore cette mécanique de mort avec... avec ces fantômes, mais bon, ça va. Je peux juste rusher. Mais non, oh là là. Tiens, avant de te zigouiller, tiens, je te donne un peu de pognon et après je te zigouille. Je suis sympa quand même. Si je pouvais commencer à 6 heures. Ouais, c'est ça. Ah! Alors, du coup, ça se corse un peu. C'est quoi? C'est, je peux pas les tuer, je crois, les... ceux-là. Ouais, c'est des squelettes rouges. Ce que j'appelle les squelettes rouges, hein, c'est... c'est en référence à Castlevania. C'est dans Castlevania, t'avais des monstres comme ça, bah c'était des squelettes rouges du coup et voilà, tu les quand tu les tapais du coup ça, ils se recroquevillent comme ça jusqu'à ce qu'ils repopent après. Là du coup ça va, c'est vraiment des monstres basiques. Oh, je peux lui renvoyer? Genre... Attends, j'ai envie de faire un test. Je peux renvoyer le bouquin? J'ai loupé. Vas-y, refais. Oh! Ah, je viens de découvrir un truc. Alors, c'est con de découvrir ça maintenant. Mais, voilà. Je suis sûr que tu savais pas non plus, Yink. Ah non, pas eux. Eux, je les aime pas. Ah, t'as tourné la tête, t'as pas vu? Bah, je vais te montrer dès que... s'il y en a un autre qui pop. Ah bah, bon, je vais te montrer, c'est dans la zone à côté. Ah, cœur de la note unique. Je te montre ça juste là. Pouce monté. Donc, cœur de la note unique. Un cœur d'épée qui vibre d'un tintement insondable. Peut s'en chasser dans Mea Culpa. Fait vibrer son fil. Ce qui permet aux attaques de détruire certains projectiles immatériels, mais amoindrissent les résistances élémentaires de son maître. Ah, ça peut être pas mal. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs pour le boss de fin. Donc ouais, voilà, ce que j'ai découvert, alors c'est un peu tard, mais justement c'est sur les ennemis là qui te balancent des livres. Et ben tu peux taper dans le livre pour lui renvoyer. Et ça, bah, je savais pas. J'ai découvert ça complètement au pif. Voilà, j'ai raté. Je sais pas si je savais.
Donc on reprend le chemin inverse pour remonter là. Genre, ça veut dire qu'avec ce cœur de mea culpa, genre, je pourrais peut-être renvoyer toutes les boules de feu du boss. Ce serait fort, ce serait pété. Après, je pense pas que je puisse toutes les renvoyer parce que ça me demanderait une trop grande, on va dire, vitesse d'attaque en vue de la quantité des boules, de la quantité de boules qu'il envoie. Mais ça peut se tenter. Donc nous voilà, nous revoilà à la mer des mers. Voilà, donc là, et ensuite full gauche. Aïe. C'est vrai que ça touche pas, la dash attack ne touche pas. J'avais appuyé sur la dash attack en vrai. Ça, ensuite faut... Ah oui, là faut pas que je tombe. Enfin, si, de toute façon, je pouvais tomber et je pouvais revenir après. Hop. Et du coup, ici. Forcément, les chandeliers qui tournent, enfin qui bougent, avec quand même la mécanique sur les côtés pour des murs là, c'est à dire qu'il faudra peut-être que j'ai, on va dire que j'ai des trucs à esquiver au sol, je sais pas, pourquoi c'est là, si c'est là juste au cas où. Ah oui, bah les... Aïe. Les têtes de cloche. Voilà. Aïe. Ah, ça rebondit contre les murs. C'est rigolo. LOL. Ça va. Wow, easy. Tiens, la salle avec l'énorme encensoir. Tu t'es amusé à laisser l'encensoir taper les mobs.
Bah oui, j'avoue que ça, c'était un petit, ça faisait un petit kiff quand même. Effectivement. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là il n'y en a pas. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un autre là. Il en reste trois. J'en compte trois pour le moment. Bah là je vais descendre et je vais faire full gauche. D'ailleurs, bon, c'est vrai que tu l'as peut-être vu. Notamment quand je m'étais levé et tout ça, mais t'as vu, j'ai le. C'est les t-shirts de la LGDQ de cette année. Du coup, celui-là, c'était celui qui était un peu en mode Sonic aussi. Je sais pas si tu l'avais pris. Il y avait pas mal de styles Sonic Adventure 2, oui. Et ils étaient encore une fois très chouettes cette année. Encore une fois, tu dois faire des choix. Hein, parce que tu ne peux pas tout, tout acheter. En vrai, moi, j'en ai pris un. J'ai longtemps hésité. Ah, t'as pas pu te le permettre. Ah oui, ok. J'ai longtemps hésité à le prendre, mais bon. Je l'ai pris quand même. En fait, c'était celui de Chocobo GP. Du coup, qui est un jeu que j'ai quand même beaucoup aimé et tout ça. Et je voulais choper le t-shirt. Par contre, c'est vrai qu'il est d'une couleur que j'ai pas l'habitude de porter. Ah, il est rose Kirby, quoi. Je l'ai pris quand même. Mais oui. Ça va me demander un petit effort on va dire de. Pour sortir avec ça. C'est comme le t-shirt Interglitch. Oui, le. Le jaune poussin, quoi. Alors ça, en fait, après réflexion, donc là, je voyais la grille à droite. Et ça, ce qui était fermé. Mais je me demande si ça, pour l'ouvrir, en fait, il faut pas justement résoudre toutes les salles comme ça. Mais j'en ai trouvé que deux pour le moment. Je crois qu'il m'en manque une ou deux. Je pense que c'est comme ça que tu ouvres cette porte. Avec le grand miroir qui est devant, je pense que c'est ça. Donc là, on retraverse le pont. Alors attends, je vais quand même sauvegarder au cas où qu'il m'arrive encore un accident à base de pique. J'ai eu un doute si je pouvais réellement monter sur le tronc d'arbre, je me souvenais plus. Alors je te dis, bah. Ah, tu peux me confirmer, ouais, si c'est bien ce que je pense ou pas. Ben non. Ok. Donc je suis dans l'erreur. Donc ça doit être peut-être un truc à équiper.
Mais les défis miroirs sont infernales. Mais j'ai aimé aller faire. Ah bah du coup, alors moi je les ai pas trouvés si, on va dire, infernales que ça. Mais j'ai beaucoup aimé moi aussi. Alors ça se voit que c'est le premier, parce que là c'est vraiment les premiers monstres du jeu. Ça se voit que c'est, je pense, le plus proche du début. C'est vraiment, ouais, les premiers monstres du jeu, quoi. Je pensais pas être persévérante. Oh, genre la hitbox, quoi. Là, petit coup de magie. Voilà. Braise d'une étoile brisée. Bruyère ensanglanté, donc ça c'est toujours l'évolution de ma jeune pousse. Braise d'une étoile brisée, donc un minerai inconnu retrouvé dans une profonde crevasse par un mineur oublié. Cette pauvre âme perdit l'esprit dans le labyrinthe de ses facettes qui reflète une lumière inexistante. Elle augmente la ferveur générée par les attaques. Ah, ok. Bien. Oui, messire. Bah là, on va monter. Non, en vrai, je vais prendre le TP pour aller à Albero. Et je vais même, parce que je suis feignasse, on va faire ça. On va faire ça. Hop. Albero. Là. Tac. Il est déjà 23h30. Temps passe vite. Est-ce que... Je sais pas si j'aurai le temps du coup ce soir, parce que... Faut pas non plus que je coupe trop tard. Je sais pas si finalement j'aurai le temps d'avoir la deuxième fin. On fera peut-être encore une ultime session. Le jeu qui n'en finira jamais. Ah, il y a des pics. Là, c'est danger. Thank you.
Tiens, t'en parlais justement des monstres qui se faisaient bolosser par le. L'encensoir là. Les voilà justement. Qu'est-ce que je les aime pas ces fantômes là? Voilà. J'ai réussi à ne pas tomber dans les pics. Ça, c'est une bonne chose. Encore du pognon. Et je vais plus savoir quoi en faire de ce pognon. Parce que c'est vrai que pour le moment, bah, je crois que j'ai tout acheté. Hein, donc, pour le moment, le pognon, il me sert à rien. Ça, où est-ce qu'il en manque un? En bas. T'en as un là. Ah, t'en as un autre là aussi. Donc on va retourner à Albero. On va prendre le TP pour ça, escarpement de la complainte. Tiens d'ailleurs Gink, il y a un truc quand même que j'ai repensé. Parce que même si j'ai pas encore eu d'idée pour notre collab, mais il y a un truc auquel j'ai pensé. C'est est-ce que ta, ta résine va bien adhérer à mes perles? Parce que là, tu fais des armatures en métal, je sais plus en quoi tu les faisais, en laiton, non, un truc du genre, je sais plus. Mais est-ce que ta résine va adhérer, va coller du coup à mes perles? Alu. Parce qu'après, ouais, je maîtrise pas du tout la résine, hein, donc je sais pas justement s'il peut y avoir, enfin, on va dire des matières sur lesquelles ça, ça pourrait ne pas accrocher. Parce que genre, tu fais ça sur une sur une plaque en verre justement parce que ça accroche pas en verre. Je pense. C'est pour ça que tu fais ça sur une vitre. La vitre, c'est plat et transparent. Oui. Pièce écailleuse. Ça me permet d'utiliser une lampe pour voir les effets de couleur de ma résine. Ah, d'accord. C'est pas juste parce que, genre, ta résine apprend pas... Apprends pas sur le verre. Pièce écailleuse, un disque doré à l'aspect inquiétant, couvert de la mue séchée d'un reptile. Ce bas-relief de griffes a été considéré comme un symbole d'avarice. Il augmente le nombre de larmes de rédemption recueillies à chaque attaque. Ça peut coller au verre. Ah d'accord. Autant pour moi.
Donc, comme dit, le silicone. Quoi, ça prend pas au silicone? Oui, le TP il est là. Ça. C'est ça, hein? Oui. Non, ça colle pas au silicone. Quand c'est tout dur, d'accord. Oui. Le retour des pics. Cette configuration d'arène là me fait penser au boss de fin de Dead Cell. Où c'est pareil, lors de la P2 du boss, il y a des pics comme ça sur les côtés. T'as que la plateforme au milieu et puis en bord de côté t'as les pics. Sauf que dans Dead Cell, les pics ne te tuent pas, hein, ne te one-shot pas. Hein. D'ailleurs, tiens, à l'occasion, il faudra qu'on se refasse un... Merde! Non! Quel con! J'avais plus la bonne magie d'équiper. Oh non! Je suis tellement loin! Ah là là, les couilleurs. Quel couillon! La fuite! Le pénitent qui... Non, il le sent pas ce combat-là, du coup, il fuit. La fuite du pénitent. Si tes pertes font un cercle, ça va s'étaler et durcir. Donc à moins de tout dépiauter, ça devrait pas décoller. Hein? J'ai pas tout suivi. Ah, si tes perles font un cercle, à mon avis. Ça va s'étaler et durcir. Donc à moins de tout dépiauter, ça devrait pas décoller. Ça va être attesté. Oui, je me suis douté, ouais, du correcteur. Le fameux correcteur orthographique. Aïe. Ah, et même ça, je peux leur taper dessus, là. Tout ce qu'ils m'envoient, on va dire, de manière physique, je peux taper dessus pour les renvoyer.
Ah, c'était le dernier combat en plus, hein. C'était le dernier combat où je me suis je suis trompé et je me suis barré. Par contre, de la spirale, j'ai pas lu la suite. Bon, si j'ai eu un succès, ça veut dire que je les ai tous su. Spirale inversée, un coquillage aux courbes impossibles trouvé dans le sable. Sa forme accrochait les échos d'un chant douloureux qui augmente en intensité avec les souffrances de son porteur. Il protège partiellement contre les dégâts élémentaires. D'accord. Très bien. C'est vrai que tu vois, cette zone-là, j'y suis pas vraiment retourné depuis que j'ai des nouvelles choses et tout ça. Donc, c'est vrai que ça se trouve, là, j'ai des choses à débloquer ici. Un petit cadeau de Deo Gracias, Chloé, à l'effigie. Ouais, bah ça, c'est le même texte en fait. Donc là, je pense que j'ai tout. Je pense que j'ai tout, je les ai tous cassés. Après l'achèvement de chaque donjon, l'épine qui a été donnée par le au début du jeu change, devenant oui, Sovia Obscene, c'est ça. Donc c'est bon. Ensuite, continue l'histoire principale normalement et battez Escribar, d'accord. Après avoir vaincu Deo Gracias attendra devant la montagne des cendres, qui était autrefois l'arbre brûlé, dit aux pénitents de l'escalader. Ok. Si toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, le pénitent sera alors révélé digne et pourra grimper au sommet de la montagne. Une fois au sommet, il s'assiera sur le trône. Hein? Alors attends, quoi? Donc attends, dans les montagnes. Donc ça, c'est les montagnes. Merde, c'est une capture d'écran, ça. C'est la montagne ici, là. Non? De quelle montagne il parle? La montagne de cendres. Parce que là, il y avait un arbre crevé ici, là. Où meurent des oliviers. Bon, je vais retourner à Albero déjà. Ça, là, alors. Montagne des cendres, du coup, la Mountain of H. Je crois que c'est ça, hein. Déjà, j'ai un doute. Deo Gracias, là, c'est celui qu'on a vu à la fin. Hein. On est d'accord. C'est celui qui nous attendait lors de la première fin, déjà. Oui, je crois bien.
Donc. Oui, c'est après. Alors, si je tombe là, ça se trouve, il y a un secret. Merde, c'était pas là. Coup dur. C'était au-dessus. C'est à cet arbre-là que je pensais, mais ça devait pas être ça. Ah, moins que c'est le truc qui est tout à gauche, là-bas. Non. Mais c'est quoi cette montagne? Attends, je vais chercher sur les internets. C'est quelle zone ça? Ah mais c'est la fin en fait ça. C'est la zone où c'est le truc que tu grimpes après avoir battu le boss. Escribar, c'est le boss de fin. Mais oui, mais c'est ça. En fait, il faut juste que j'aille retourner battre le boss de fin là. C'est tout. Tout simplement, en fait. Donc. On va reprendre le TP à droite. Et on va avoir normalement une autre fin. Voilà, donc fallait juste faire ça et du coup normalement ça va être bon. Hop, post TP. Puis voilà, on va y retourner. Merde, non, putain. Non, mais mais à chaque fois, je me fais avoir une fois par stream, je me fais avoir par ce trou quoi. Non, et ça me refait popper tellement loin. Oh là là. Je te juge. Putain, je me déteste.
Ah, c'est gros coup dur, hein. Vous noterez que j'ai pas pris le point de sauvegarde ici. Parce que je suis confiant. Je suis joueur. Allez, on y croit, mon match-up. Là. On attend. On attend. Voilà. On foire pas les sauts. Là, je mets une sauvegarde. Et là, c'est bon. Merde, c'est pas le bon. Rien ne va. Ça, ça veut dire que il est l'heure d'aller se coucher, mais je veux le faire, je veux le faire. I will did it. I will do it, plutôt. Ah, ce trou. Ce trou, hein. Comme le disait Britney Spears, Oops, I did it again. Allez. Là. Donc, d'ailleurs, on va tester ça. Ça amoindrit mes résistances élémentaires. Mais j'ai envie de tester le fait de pouvoir lui renvoyer dans sa face. Mana, oui, je vais recharger mon mana. Qu'est-ce que je voulais Ça, du coup, je m'en fous. Faut que je l'aide équiper, ça, ou pas? Je crois pas. Ça, c'était juste pour casser les trucs. Ouais, non, ça, il marque pas comme quoi faut que je l'ai équipé, ça. Par contre, ça, voilà, ça me augmente les protège le porteur des attaques là, élémentaires. Et ça me... Attends. Élémentaire. Bon, voilà, j'essaie de contrecarrer un peu le malus de ça par ça. Mon cher Zato. Oula. Merci d'avoir mis le... d'avoir rectifié en mettant le H au bon endroit. Quoi? Y'a quoi? Y'a un truc que... que veux-tu dire par là? Ça, du coup, en magie. Je vais garder ça, déguipé. Ah, d'accord. Ouais, élémentaire, mon cher Watson. D'accord, autant pour moi. Mon cher Zato, d'accord. J'avais pas suivi. J'avoue, je l'avais pas. My bad. Et ça m'étonne qu'il manque autant de magie, quand même. C'est ouf. Allez. Mana, oui.
Mana mana. Tout 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 loulou. Ah, moi aussi j'ai des refs. moi aussi j'ai des refs douteuses. Allez. Attends, outre, c'est notre, oui, voilà. J'arrive à corriger ton correcteur. Ton chat s'appelle Mana. Allez. Bah super, bah oui, mais j'avais pas assez de distance pour... Putain, cette mort extrêmement rapide. J'avais pas assez de distance pour esquiver. C'est coup dur, ça. Ah, mais ça me crame du pognon de faire ça, je savais pas. Ça me crame du pognon de me rendre du mana. Mais d'où ? D'où je paye de la vie plus du pognon pour me rendre du mana ? Mais je vais plus jamais faire ça. J'avais pas vu. Ah là je peux récupérer mon truc. Ouais, bla 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 bla. Ouais, il entend le bugger. Ah, oh, je peux lui renvoyer dans la poire, du coup ça lui fait des dégâts. C'est trop bien. Du coup, ça marche avec ça ? Oh ! Oui ! Ça marche ! Ça marche ! Allez, la petite P2. Oh mais non. Olé. J'ai failli, encore une fois, grid. Oh là là, j'ai grid. Ça y est. J'ai mal joué encore. Ça, par contre, je peux pas lui renvoyer. Ça aurait été trop fort.
Allez, reviens. Salut ta sœur. Comment on va? Je vais essayer fuser quand même en prenant la petite potion. Et ben voilà, allez. Mais j'ai pas de sœur. Je suis bloqué sur un détail de merde dans un jeu. Mais Scam m'a débloqué. Ah, nice. C'était sur quoi? Alors du coup, nouvelle fin. Nouvelle fin, normalement. Si j'ai pas foiré. Ah, Xeno 3. J'ai toujours pas lancé. His holiness from his afflicted torment, and now he walks by the old processions on the other side of the dream. The cradle of the grievous miracle, the final relic, the grail of blood and gold that emanated from the forehead of the father as he silently lamented the moment of his blessed twisting. That first relic is here, at the top of the Ashen Mountain, next to the Turn Throne, where His Holiness was kissed by a miraculous pain. And now, your final communion with the miracle awaits. Only you will be able to know how much of it has seeped into your guilty heart. Alors, on se retape l'ascension. Effectivement, nouvelle fin. Thus came the moment of final communion with the sword born of guilt. A last sacrifice in order to finish penance and break off with the ungodly will of the grievous miracle. But the plans of the miracle are capricious. Penance never ends, but changes. Hurts and condemns at will. There is no place for the penitent one on the other side of the dream. His place is here among us. He is the new father and the last son of the miracle.
recipient of our prayers. Forever and ever. Eh ben, sympathique cette nouvelle fin. Alors, c'est la bonne fin. Alors, oui. Alors, on va dire aussi bonne qu'on pouvait l'espérer dans Blasphemous. Alors, c'est quoi l'autre scène? Il y a une petite scène post-générique. Est-ce qu'elle elle change? And thus shall your name be erased under the heavens. C'est la nana qu'on a zigouillée avant le boss de fin, ça? Qui vient nous voler, mais à coup pas? Enfin, nous voler, de toute façon, on peut pas trop se défendre. Est-ce qu'on est un petit peu décédé? Mais. Ah, 95,5%. On s'approche vraiment du 100%. Donc bah voilà, en tout cas, pour du coup ce Blasphemous, je me demande si elle n'est pas de la même confrérie que nous. Bah si, ça on le sait, on le savait déjà dès qu'on la rencontre. Il me semble, moi j'ai compris que c'était une pénitente comme nous. Bon, c'est vrai que oui, le scénario du jeu, c'est un peu comme les scénarios des Souls, c'est qu'il faut aller le chercher, quoi. C'est pas expliqué manière simple. De ce que je comprends. Nous sommes un parmi tant d'autres, oui. Mais là, du coup, avec cette fin-là, on devient, on va dire, le boss, quoi. on s'installe sur le trône, même si on décède, mais du coup, on devient, on va dire, la nouvelle divinité. C'est ce que je comprends bien, et du coup, tout le monde nous vénère, on va dire. Elle est unique, j'ai l'impression. Je sais pas. Faudrait demander à Rocher. Rocher. Prions Rocher. Invoquons Rocher. Alors du coup, honnêtement, alors là, de toute façon, je vais pas tarder à couper. Tiens, bah, je vais même couper la VOD là, pour YouTube. Des bisous YouTube.